Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer ce matin avec Marie-Lise et Élise pour commencer. Marie-Lise et Élise qui reviennent pour la troisième et dernière fois. On leur souhaite bonne chance pour la cagnotte. Elles seront opposées à Jean-Pierre et à sa femme Michel. Jean-Pierre et Michel, ils sont amoureux depuis 44 ans, mesdames et messieurs. Ils habitent près d'Orléans. Jean-Pierre est boucher retraité, il aime le bricolage et le tennis. Michel aime s'occuper de ses petits-enfants. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, présence exceptionnelle du roi du bricolage. Il édite un DVD, Bricole Boy, Thierry Beccaro. Sexy. Le perceur est de retour. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, en entrée du plaisir, plat principal de la joie et en dessert, la complicité que nous partageons avec vous tous les jours depuis bien des années. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Je salue toutes celles et tous ceux qui sont installés dans le public et je vais saluer Élise et Marie-Lys que nous retrouvons pour la deuxième fois. C'est ça, Élise. Troisième. Oui, mais je suis un peu troublée, Élise. Qu'est-ce qui s'est passé, Élise? Oh, ben, je fais des petites cascades. Montrez-nous. Non, non, mais c'est pas méchant. Attends. C'est pas méchant. La reine du mélange. Je devais être trop impressionnante quand je remuais les boules, alors j'ai voulu un peu, voilà, laisser la place à maman. C'est une fracture d'émotion, Tom. Ça doit être ça. Vous n'êtes pas trop déçu, Tom? Écoutez, on va voir ce qu'elle peut faire avec la main gauche. Ouais. Je vais essayer d'être à la hauteur. Vous êtes tombé, vous êtes... Oui, petite cascade, rien de méchant. Rien de méchant. Pas de fracture? Non. Une petite entorse. Voilà, rien de bien grave. Elle est courageuse, c'est formidable. Moi, je suis plein d'admiration, comme vous, Marie-Lys. Bravo. Vous allez bien, Marie-Lys? Très bien, très bien. Vous êtes la maman d'Élise, hein, je précise, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Vous jouerez contre Michel et Jean-Pierre. Bonjour, Michel. Bonjour, Thierry. C'est notre première rencontre, et Michel. Oui. Il y a pourtant bien longtemps que j'attendais ce moment. Mais pourquoi est-ce que vous avez hésité aussi longtemps? La trouille, mais ça ne m'a pas quittée. Hein. Bon, vous allez bien, quand même? Ah oui. Vous venez d'où, Michel? Eh bien, de Main-sur-Loire, un charmant petit village qui s'appelle Main-sur-Loire. Oui. M-E-U-N-G. M-E-U-N-G. Voilà. Les clés en main. Et vous travaillez, Michel? Non, il y a bien longtemps que c'est terminé. Vous avez entraîné Jean-Pierre dans cette aventure? Oui. Jean-Pierre, vous vous êtes rencontré aux sélections, c'est ça? Il y a longtemps. Il y a 42 ans. Et vous l'avez choisi? Oui. Vous l'avez sélectionné et c'est Jean-Pierre qui est devenu votre mari. C'est bien ça, Jean-Pierre? C'est bien ça. Bon, vous travaillez, vous, Jean-Pierre? Non, je suis boucher retraité. Et fier de l'être. Bon, bah, vous avez gardé la main, si je puis dire. Oui, bien sûr. Et les couteaux? Des couteaux. Bon. Et le goût pour la bonne viande. Voilà. Il faut savoir trancher dans la vie. Bonne chance, c'est pas mal, ça. Il faut savoir trancher dans la vie. Ça, c'est le dicton du boucher charcutier. Voici les grilles pour commencer la partie. Voilà, si vous prenez les bons numéros, bah, vous connaissez ça par cœur, hein. Vous marquez 100 points, si vous tombez sur les boules noires, la main passe. Alors, Tom, le montant de la tirelire aujourd'hui? Alors, Thierry, il y a aujourd'hui 3000 euros à gagner dans la cagnotte. Pas mal de quoi s'offrir, de belles vacances. En profiter largement, comme vous le méritez, Jean-Pierre. Vous avez choisi des mots de... 9 lettres. 9 lettres. Eh bien, c'est pas... d'accord avec Michel. Bonne chance à tous les deux, Jean-Pierre. C'est vous qui commencez... Voici le C. Couperose. C-O-U-P-E-R-O-S-E. Coupable. C-O-U-P-A-B-L-E-S. Culpabilité. C-U...
L-P-A-B. Ça va être un peu long. C'est trop long. Oui. C'est très, très long. Alors, Marie-Lys, la lettre bonus, c'est la lettre M. Compagne, C-O-M-P-A-G-N-E-S. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E-S. Comptable, C-O-M-P-T-A-B-L-E. Marie-Lys, je vous laisse mélanger. Cinquante-six. Ah, alors, Élise. Mais ça va être bien, vous allez voir. Ambidextre totalement. 32. Bah, c'est époustouflant. Magnifique. Qu'ambidextre, bon, mais époustouflant, c'est mieux, non? Élise, nous cherchons un mot qui commencera par la lettre B. Blondinet, B-L-O-N-D-I-E-N-T. Ça, c'est pour vous, Tom. Voilà. C'est pour vous. Blondillon. Voilà, c'est ça. Ça part mal, cette affaire, hein, Tom. Non, je suis désolé. Hein, pas vous faire de mal. Jean-Pierre, une lettre en plus pour vous. Bénéfice. B-E-N-E-F-I-C-E. S. Ah là 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 là. Ouais. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais Michel vient de dire à Jean-Pierre, après 42 ans de mariage, c'est la première fois, hein, t'es pas drôle. Si tu crois amuser les spectateurs en faisant ce genre d'erreur, ça ne marche pas. À tout à l'heure, Michel. Marie-Lys, une autre lettre pour vous. Bénéfice, B-E-N-E-F-I-C-E-S. Baudroies, B-A-U-D-R-O-I-E-S. Bénévole, B-E-N-E-V-O-L-E-S. Bénévolat, B-E-N-E-V-O-L-A-T. Marie-Lys, alors ça fait 100 points pour vous déjà, mesdames. Le 6. Élise. Et le 10. Alors, nous continuons avec vous, Marie-Lys. Nous cherchons un mot de 9 lettres, commençant par un D. Douanière, D-O-U-A-N-I-E-R-E. Démentiel, D-E-M-E-N-T-I. E-L. Dentition, D-E-N-T-A-T-I-O-N. Ah là, il faut vite consulter, là. Oui. Il faut filer chez le dentiste très, très vite. Jean-Pierre, la lettre bonus pour vous, c'est le I. Distante. D-I-S-T-A-N-T-E-S. Michel. Discrète. D-I-S-C-R-E-T-E-S. Jean-Pierre. Ah, pardon, Je suis sûr qu'il est mieux à la maison. Ouais, mais là quand même. Je ne sais pas s'il y aura une 43e année. Jean-Pierre, je sais pas, Jean-Pierre, il était en train de penser à autre chose et tout. Oui, on a créé des couples, Thierry, mais est-ce qu'on en a déjà brisé? Oui, les questions. C'est possible. Il y a peut-être d'autres émissions où j'ai vu des couples se fâcher terriblement. Michel,
Soyez forte. Ça, il fait son maximum. Hein. C'est vous qui l'avez entraîné dans cette aventure. Marylis. Distraite. D-I-S-T-R-A-I-T-E. Bon, pas trop d'erreurs comme celle-ci, Jean-Pierre Michel, parce que ça fait déjà 150 points. Et rien pour vous. Oui. On va avoir la joie de mélanger. Mais même pas. Mais non. ça ne fait rien. Jean-Pierre, vous mélangez Marylis, s'il vous plaît. Si vous prenez le 8, vous marquez 100 points. 66. Alors, le 8, toujours, et là, ça n'arrangera pas les affaires de Jean-Pierre. Et le 8. Oh là là. Oui, ça a changé depuis tout à l'heure, Michel. On est passé à 250. Ben oui, je suis bien. J'adore Jean-Pierre. Bon, Michel, vous n'êtes toujours pas mélangé? Non. Vous non plus, Jean-Pierre? Je crois que c'est râpé. Non. Vous ne connaissez pas la sensation? Ben, peut-être tout à l'heure, nous allons changer les grilles et nous jouerons avec Élise. Donc voici votre nouvelle grille, Michel, Jean-Pierre, puisque vous n'avez pas voulu de la précédente. Élise, Marylis, ne changez rien. C'est parfait. Et c'est vous, Élise, qui jouez à présent avec le E. Inavoué. E-N-A-V-O-E. C'est I, c'est E. Mais vous savez, on peut modifier les règles. Après tout, il n'y a pas de raison. Si le E ne vous plaît pas, vous changez la lettre et vous proposez les mots que vous voulez. C'est vrai, ça. Ce serait plus simple. Hein. Ah, écoutez, je vois pas pourquoi on s'embête. J'aurais dû dire distraite, en fait. Pardon. Jean-Pierre, une lettre bonus pour vous aider. Évincé. E-V-I-N-C-E-E-S. Oh. Ce qui me fait rire, c'est que Michel a attendu des années. Avant de pouvoir venir jouer, elle avait quand même elle avait la trouille, mais elle s'est dit, bon, allez, là, j'y vais. Allez, je saute. Je saute et en fait, l'élastique n'est pas prêt, quoi. Donc, on n'a pas l'élastique. Elle ne peut pas sauter. Ah, Jean-Pierre, ça part mal, hein, cette affaire. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour vous, c'est pour le retour à la maison du côté de... On ne peut pas changer. Demain sur Loire. Hein. On ne peut pas changer. Alors, on verra ça plus tard. Vous pourrez éventuellement changer de mari. Marylis. Évocation, E-V-O-C-A-T-I-O-N. Et en plus, ça augmente. Maintenant, ça fait 300 à rien. Allez-y, Marylis. Le 12. Élise. Nous sommes pour la paix des ménages, donc lui donne une chance. Jean-Pierre, dernière chance pour pouvoir rentrer à la maison. Hein. Voilà. C'est maintenant. Ce que vous ne voyez pas, c'est la conversation entre Michel et Jean-Pierre, parce que c'est Jean-Pierre qui commence à chaque fois. Donc Michel lui dit, hein, fais un effort. Accroche-toi. Voici Jean-Pierre, la lettre M. Maquillage. M-A-Q-U-A. Non, c'est pas bon. Bah oui. Ah non, c'est pas bon. Ça. Bah oui. Michel va tomber en dépression dans 5 minutes. Je suis désolé, on vous entend pas, Michel. Je suis désolé. Mais pourquoi elle peut pas commencer une fois, Michel? Bah oui. Ce serait bien. Je peux pas changer. Changer de place. Si, bah oui. Changer de jeu. Oui, oui. La lettre bonus, c'est pour Marylis. Mobiliser, M-O-B-I-L-I-S-E-R. Malouine,
M-A-L-O-U-I-N-E-S. Mobilette, M-O-B-Y-L-E-2-T-E. Moby Dick. Moby Dick. Bon. Jean-Pierre, mais... là on va être raisonnable. Voici le N. Moisissure, M-O. Allez-y, allez-y, allez-y. Moisissure, M-O-I-S-U-S. Non, non, il n'y a rien à faire. Non, non. Ce que je voulais simplement dire à Michel, pardonnez-moi deux secondes. Vous savez que régulièrement, on organise des sélections. Oui. Un peu partout en France. Dès qu'il y a des sélections du côté de la Loire, dans la région Loire, on vous appelle et vous passez les sélections. Sans Jean-Pierre. Sans lui. Hein, on vous laisse une chance supplémentaire. Ah, merci, c'est gentil. Bon. Marie-Lys, une autre lettre bonus. Mobinote, M-O-B-I-N-A-U-T-E. Vous voulez quelques explications ? Oui, vous êtes, oui. Vous aussi, Élise ? Ben, tout à l'heure, on va laisser Élise mélanger d'abord. D'accord. Thierry, c'était le dernier mot, en fait. J'ai oublié de vous le signaler, mais c'était le dernier mot. Ah, d'accord. Pour sauver le mariage de Michel et Jean-Pierre, tout simplement. Pour les sauver du naufrage. Oui, voilà. Donc, ça fait 400 points. Donc, le bravo, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un mobinote ? Un mobinote. C'est une personne qui navigue sur Internet, mais via un téléphone mobile, voilà. Oui, c'est d'accord. Un mot récent. Elle navigue. Elle navigue sur Internet via un mobile. Voilà. Un téléphone mobile. Mobino. 400 points, Élise, Marie-Lys. Applaudissements, s'il vous plaît. Jean-Pierre, Michel, un tonnerre d'applaudissements. Et voici quelques cadeaux quand même, vous les avez bien mérités, Michel. On va le donner à Michel, ce cadeau, allez. AvantQuest Software vous offre un studio photo connecté à Internet et un logiciel pour optimiser votre ordinateur, ainsi que 100 euros de logiciel à télécharger sur avantquest.com. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup, Michel. Merci, Jean-Pierre. Cette émission enregistrée là, vous allez voir. Dès que vous avez un petit coup de cafard, vous allez passer un bon moment. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Michel. Merci. Dans un petit instant, la super partie avec 3000 euros à gagner aujourd'hui. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le samedi 14 janvier à Paris, le mardi 24 à Beauvais, le jeudi 26 janvier à Mâcon, le vendredi 27 à Montluçon et le samedi 28 à Clermont-Ferrand. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. N'hésitez pas. Vous serez les bienvenus, comme Élise et Marie-Lys qui vont tenter, et c'est leur dernière tentative, espérons que ça soit la bonne, de trouver 10 mots de 9 lettres afin de repartir avec 3000 euros. Et vous avez 5 minutes pour y arriver, mesdames. Bonne chance, c'est parti. Merci. Pacifique, P-A-C-I-F-I-Q-E. Pacifiste, P-A-C-I-F-I-S-T-E. Pacifisme, P-A-C-I-F-I-S-M-E. Fredaines, F-R-E-D-A-I-N-E-S. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Fortifier, F-O-R-T-I-F-I-E-R.
Forestier. F-O-R-E-S-T-I-E-R. Débutante. D-E-B-U-T-A-N-T-E. Débatteur. D-E-B-A-T-E-U-R-S. Débitrice. D-E-B-I-T-R-I-C-E. Douaille. D-O-U-A-I-2-L-E-S. Débattrice. D-E-B-A-T-R-I-C-E. Regardez la grille. Non. Oh. Allez. Gauloise. G-A-U-L-O-I-S-E-S. Giclement. G-I-C-L-E-M-E-N-T. Deux minutes quinze. Évanoui. E-V-A-N-O-U-I-E-S. Espagnol. E-S-P-A-G-N-O-L-E. Roumaine. R-O-U-M-A-I-N-E-S. Rustique. R-U-S-T-I-Q-U-E-S. Restante. R-E-S-T-A-N-T-E-S. Racérénée. R-A-2-S-E-R-E-N-E. Rassurant. R-A-2-S-U-R-A-N-T. Bien. Baudroit. B-A-U-D-R-O-I-E-S. Breloqué. Non. Bilboquet. B-I-L-B-O-Q-U-E-T. Très bien. 30 secondes. Soudaine, S-O-U-D-A-I... Soudaine, S-O-U-D-A-I-N-E-S. Serette, S-O-E-U-R-E-D-T-E. Ligament, L-I-G-A-M-E-N-T-S. Lagunaire. Ah, oui. Eh bien, on va vous applaudir très fort, Marie-Lise. 7 mots sur 10, ouais, ça ne suffira pas. Voilà, nous allons garder nos 3000 euros. Mais, comme vous êtes resté 3 jours avec nous, avec tout ce qui s'est passé, le poignet abîmé, tout ça, vous méritez bien quand même un superbe cadeau pour vous récompenser, merci, pour vous consoler. Regardez. Marie-Lise et Élise Les Hôtels Park Inn, présents en France et en Belgique, vous offrent un week-end en demi-pension pour 2 personnes sur notre territoire. Bravo à toutes les deux. Voilà pour vous, Élise, Marie-Lise. Ça a merci été un plaisir beaucoup de jouer avec vous. Merci. On a passé un excellent moment. Vous allez céder la place à d'autres bien candidates sûr et d'autres candidats. Et j'espère qu'un jour, vous serez de ceux-là ou de celles-là. Et vous serez les bienvenus. Bonne journée, à bientôt.